Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Ô Seigneur, comme un timide rayon de soleil en cette journée d'avril hivernale qui perce au travers des vitraux de notre cathédrale, ouvre nos corps, nos esprits à ta parole, afin qu'elle nous illumine. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 9 à 12. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour faire le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. C'est donc en compagnie de Marthe et de Marie que j'ai eu envie de vous rendre visite aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir invité avec elles, ces deux sœurs inséparables et pourtant si différentes, ces deux sœurs si proches de nous. Vous les connaissez sûrement déjà, mais je suis sûre qu'elles ont encore bien des choses à nous dire. Approchons-nous d'abord de Marie, si vous voulez bien.
Elle est là, assise aux pieds de Jésus, et elle boit ses paroles sans se soucier de rien d'autre. Nous ne risquons même pas de la déranger. Elle est tellement passionnée qu'elle semble oublier tout le reste, y compris les règles du jeu social. Car enfin, soyons sérieux, le rôle de la femme, surtout à son époque, c'est de faire le travail de la maison et pas de se consacrer à la méditation ou à la théologie. Notons-le tout de suite, Jésus non plus ne semble guère se soucier des convenances. Il valide l'attitude de Marie qui, dit-il, a choisi la bonne part. Du côté de Marie, donc, tout va bien. Et je vous propose de la laisser tranquillement écouter Jésus pour aller rejoindre Marthe. Marthe qui se livre à mille préparatifs. Marthe qui se sent manifestement bien seule dans sa cuisine et qui a l'air de supporter très mal cette situation. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas l'air franchement heureuse. Quelle joie, pourtant, ce devait être pour elle que de recevoir Jésus. Mais voilà, Marthe a appris que pour faire honneur à l'hôte de Marc, il faut mettre les petits plats dans les grands, et elle s'affaire, nous dit le texte biblique, à un service compliqué. Et pendant ce temps-là, au lieu de l'aider, Marie se la coule douce à écouter Jésus. Marthe doit être bien d'accord pour considérer qu'effectivement, Marie a choisi la bonne part, tandis qu'elle, Marthe, se retrouve comme une imbécile à faire le travail toute seule. Car il faut bien qu'il soit fait, ce travail. C'est bien joli, c'est même sûrement passionnant pour Marie de rester là écouter le Seigneur. Mais qu'est-ce que Jésus va manger tout à l'heure ? Quelle amertume il semble y avoir en Marthe. En plus, Jésus se met du côté de Marie alors que Marthe avait pensé qu'il ramènerait sa sœur à la raison. Jésus, qui se présente lui-même comme serviteur, n'attacherait-il pas d'importance à ce service que Marthe accomplit pour lui ? Ou bien est-il un ascète désintéressé des bonnes choses de la vie et fâché de l'importance que Marthe leur donne ? Jésus oublierait-il que c'est pour exprimer le respect qu'elle a pour lui que Marthe veut l'accueillir le mieux possible et qu'elle s'affaire à ce service compliqué ? On sait bien que l'hospitalité est une des règles d'or de la tradition juive. Donnons tout de suite deux précisions pour éviter une lecture simpliste de ce récit. Rappelons d'abord que c'est Luc qui le raconte, Luc qui a tout particulièrement le souci de ceux qui ne sont pas reconnus par la société et qui, plus encore peut-être que Marthe et Matthieu, souligne l'importance et la valeur du service. Être chrétien, c'est à la suite de Jésus, être serviteur. Or, que fait Marthe, si ce n'est de servir ? Et le service que préconise le Jésus de Luc n'est pas uniquement spirituel, loin de là. Juste avant notre texte, il y a la parabole du bon samaritain qui montre bien que Jésus n'oublie nullement les besoins matériels qui sont les nôtres. Impossible de le soupçonner d'une spiritualité désincarnée. Alors, n'opposons pas trop vite l'action et la contemplation, la dimension matérielle et la dimension spirituelle, en imaginant que Jésus demanderait à ses disciples de se retirer du monde pour mener une vie de prière. Ce serait, je crois, trahir le texte et renvoyer une nouvelle fois toutes les Marthes,
si nécessaire pourtant, à leur amertume. D'une certaine façon, Marthe et Marie apparaissent comme les représentantes de deux types d'attitudes, deux formes de rapport au monde, un qui donne la priorité aux tâches à effectuer, les sociologues disent « task-oriented », et l'autre qui donne la priorité aux personnes, « person-oriented ». Paradoxalement, les sociétés occidentales marquées par la culture judéo-chrétienne sont plutôt orientées vers les tâches à effectuer. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, hommes et femmes, des Marthes toujours affairées à un travail, des Marthes inquiètes que l'autre soit accueilli dignement, que la cuisine soit prête à temps, que les affaires soient bien gérées, bref, que tout tourne comme il faut. Certains et certaines d'entre vous se reconnaîtront sans doute dans ce portrait. Nous sommes des Marthes, soucieux de dominer encore plus la nature, désireux d'inventer des techniques nouvelles pour faire encore et plus vite, des Marthes qui veulent que le progrès progresse et qui pour cela courent toujours. J'ai lu quelque part que la vitesse moyenne des piétons dans les villes augmente régulièrement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Genève, mais il semble que Paris serait en 16e position mondiale. Qu'est-ce que cela doit être ailleurs ? Il ne faut pas oublier ce qu'il y a de positif dans ces façons d'être. C'est ce souci de bien faire et cette conscience professionnelle qui font que nos sociétés occidentales fonctionnent à peu près. C'est ce caractère industrieux de nos sociétés qui nous a donné non seulement le confort qui est le nôtre, mais aussi, probablement, indirectement, la paix et la démocratie, si j'ose encore parler de paix aujourd'hui. Quand on sait un peu ce qu'est la vie dans tant de pays ailleurs, on n'a pas envie de brader trop vite ses valeurs. Mais nous le savons bien, de telles attitudes ont aussi leur revers. Le revers, c'est la surcharge de nos agendas et le stress permanent dans lequel beaucoup d'entre nous vivent, même parmi les enfants. C'est le peu de temps qui reste pour la rencontre, pour le dialogue, pour l'amitié, pour la prière. C'est la productivité des entreprises considérées comme une priorité absolue qui fait qu'on n'hésite pas à licencier des travailleurs pour faire plaisir aux actionnaires. C'est le jugement porté sur les plus faibles, les handicapés, les chômeurs, les incapables, les inutiles. Et ce jugement les empêche de faire valoir leurs qualités. La personne est dans nos sociétés trop souvent sacrifiée sur l'autel de l'action et de la productivité. Et puis le revers, c'est l'épuisement des ressources naturelles, le réchauffement de la planète avec toutes les conséquences que l'on perçoit trop bien maintenant, sans pour autant que nous arrivions à changer vraiment nos comportements. Paradoxalement, le protestantisme, malgré son affirmation de la justification par la grâce, n'est pas étranger à cet activisme qui caractérise nos sociétés modernes. Il nous faut le regarder lucidement. Marthe, ma sœur, notre sœur a beaucoup, sœur en activisme, sœur en amertume aussi, car les deux sont souvent liés. Quand on investit tout dans le travail, on est facilement déçu
J'ai donné 30 ans de ma vie à l'entreprise et me voilà licenciée, sans aucune considération. Et quand on cherche à faire toujours mieux, on s'aperçoit souvent, comme le dit si bien le proverbe, que le mieux est l'ennemi du bien. Mais cette valorisation par nos sociétés du faire ne cache-t-elle pas souvent une difficulté à être, tout simplement, et à être en relation? Il nous faut nous méfier de la tentation de l'activisme. Il constitue un double obstacle à la rencontre avec Dieu. D'abord, parce qu'il empiète sur le temps nécessaire pour se recentrer sur l'essentiel, et surtout parce qu'il est souvent une tentation, une tentative de se glorifier soi-même devant les autres et devant Dieu. Voyez comme je suis quelqu'un de bien, moi qui consacre tout mon temps au travail ou tout mon temps au service des autres. Je n'ai pas de temps à perdre pour des futilités. Pour l'apôtre Paul, rappelons-le, cette volonté d'exister par soi-même, indépendamment de Dieu, indépendamment des autres, cette volonté de se justifier soi-même constitue le péché par excellence. Et puis, l'activisme fait aussi obstacle à la relation avec l'autre. Et ceci même quand l'action est service, car donner la priorité au faire, c'est ne plus laisser de place pour la rencontre avec l'autre, et même souvent ne plus laisser du tout de place à l'autre, qui en est réduit à être l'objet de ma bonne volonté et de mon action. Soyons honnêtes. Face à quelqu'un qui est en difficulté, il est plus facile et plus valorisant de faire quelque chose pour lui que d'entrer en relation avec lui d'égal à égal. Bien sûr, heureusement, il y a des façons de donner, des façons d'aider qui sont justes, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Quand celui qui aide crée une barrière entre l'autre et lui, quand il manifeste par son comportement qu'il se sent supérieur à celui qui l'aide. Il y a un proverbe africain qui dit que la main de celui qui donne est toujours au-dessus de celui qui reçoit. Mais de quoi les personnes en difficulté ont-elles le plus besoin ? Bien sûr, nous avons tous besoin de pain pour nous nourrir, d'un toit pour nous abriter, d'habits pour nous vêtir, et il est indispensable de prendre en compte ces besoins-là. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit des relations qu'il noue, de la confiance qu'on lui fait, du respect qu'on lui porte, de l'amitié rencontrée, de la parole partagée. Il vit, nous vivons tous, de ce que nous recevons, mais aussi de ce que nous donnons et de la reconnaissance que nous pouvons recevoir en retour. Aider vraiment, c'est en fait ouvrir la porte à une vraie relation vécue dans la réciprocité. Car la rencontre avec l'autre peut être parasitée et même empêchée par ce souci de lui apporter toujours. Finalement, qui de Marthe et de Marie aura le mieux accueilli Jésus ? N'est-ce pas Marie ? Peut-être ce qui différencie les deux sœurs, c'est que Marthe est tellement obnubilée par ce qu'elle veut donner à Jésus, parce qu'elle pense devoir lui donner, qu'elle ne se rend pas disponible pour recevoir ce que lui peut lui apporter. Marthe a le souci que tout soit parfait, et ce souci-là, comme souvent,
vient faire obstacle à la relation. Quand Jésus dit à Marthe « une seule chose est nécessaire », on pourrait d'ailleurs l'entendre de façon très concrète. Il aurait suffi d'un petit casse-croûte, un simple plat de pâte, au lieu de ce service compliqué. Alors, tu aurais pu, toi aussi, bénéficier de cet essentiel que Marie a choisi, l'écoute de l'autre et l'ouverture à la façon dont Dieu peut être mystérieusement présent dans la rencontre vraie. Que Marie ait choisi l'essentiel, bien plus que Marthe, se manifeste à mon sens à travers une différence importante entre les deux sœurs. La joie que l'on devine chez Marie, qui s'oppose à l'amertume de Marthe, c'est que Marie a su entendre son désir profond, se nourrir de la parole vivante de cet homme, et elle s'est autorisée à le faire, tout simplement, malgré les rôles sociaux qui exigeaient qu'elle aide sa sœur. Et cette joie qui n'a rien à voir avec la joie factice d'un divertissement, cette joie ne pourra lui être enlevée. Tandis que Marthe, qui est restée enfermée dans son sens des convenances, dans son sens du devoir, est pleine d'amertume. La joie. Il me semble qu'il y a là un critère important pour discerner si on a choisi ou non la bonne place. Joie de se sentir en accord avec ce qui nous paraît juste à un moment précis. Joie de pouvoir être simplement soi-même. Certes, voici une attitude bien peu protestante. Et vous vous dites peut-être que je suis en train de confondre l'Évangile avec la psychologie du développement personnel tellement à la mode. L'Évangile ne nous appelle-t-il pas à renoncer à nous-mêmes ? Il faudrait pouvoir reprendre ici plus longuement cette invitation à renoncer à soi-même qui a parfois empêché hommes et femmes de s'épanouir et de valoriser leurs talents. Mais ce plaidoyer pour que chacun, chacune puisse découvrir la joie d'être pleinement soi-même n'est en rien une invitation à se replier sur soi en ne se souciant que de son petit confort. C'est au contraire une exhortation à rechercher la place à laquelle nous sommes appelés, chacun, avec et pour les autres. Une exhortation à découvrir notre vocation profonde, laquelle peut exiger, on le sait, des renoncements douloureux qui pourtant n'empêcheront pas la joie. Comment oublier ces renoncements dans ces temps de carême où nous accompagnons la marche de Jésus vers la croix, une marche librement consentie pour défendre son idée d'un Dieu miséricordieux. Comment l'oublier en ces temps où nous voyons la guerre si proche, quand des hommes et des femmes choisissent librement de mettre leur vie en jeu pour défendre leur pays face à l'oppresseur. Non, la joie n'exclut pas le renoncement. Libre de s'engager, libre d'écouter, libre de servir, indépendamment des devoirs que nous imposent les rôles sociaux, libre ou plutôt libéré pour vivre en accord avec notre vocation profonde, qui
qui est de demeurer, comme le dit si bien Jean, dans l'amour de Dieu, en nous aimant les uns les autres. Et c'est alors que la joie de Dieu sera en nous et que notre joie sera parfaite. Amen.
Quelques annonces maintenant pour notre communauté. Ils sont les Marthe et j'espère aussi les Marie, parce que j'espère qu'ils servent avec joie. Merci aux conseillers et aux conseillères de paroisse, à Robin qui est le gardien ce matin, de nous permettre de célébrer et de préparer ce lieu de culte pour nous mettre tous et toutes à l'écoute de la parole de Dieu. Merci à vous. Merci aussi à Vincent, à l'orgue. Vincent qui ressuscite certaines de ses compositrices oubliées du répertoire en allant dénicher des partitions qui n'ont pas été jouées depuis bien longtemps de ces femmes talentueuses. Merci Vincent à toi pour toutes ces découvertes. Merci à K.O. pour le film de ce culte. Nous en profitons pour saluer celles et ceux qui vont nous rejoindre sur les réseaux plus tard dans la semaine. Bienvenue à vous pour ce temps de culte. Et un immense merci à vous, Isabelle, d'être venue de Strasbourg pour nous partager la parole ce matin, un enseignement édifiant pour nous. Merci encore de nous avoir rejoints. Cette semaine, il y a mardi soir à 19h à l'auditoire une soirée consacrée au culte protestant. C'est une soirée qui est ouverte à vous tous et toutes. Si vous êtes au culte, c'est que vous êtes aussi intéressés par le sujet. Donc ce sera une soirée au carrefour de la pratique et au carrefour de la théorie, la théologie, puisque nous accueillerons des enseignants de la faculté de théologie. Il y aura vos pasteurs. Et comme le culte, cette soirée sera rythmée par de la musique avec Benoît Zimmermann à l'orgue. Benoît Zimmermann qui a écrit dans ce livre Le culte protestant, qui sera accompagné d'Esmé Devry à la viole de gambe. Donc venez tous et toutes à 19h ce mardi 5 avril à l'auditoire Calvin qui est juste à côté de cette cathédrale. Je signale aussi, parce que c'est important pour la communauté, qu'il y a un conseil de paroisse ce mercredi à 18h. Donc ayez en pensée celles et ceux qui œuvrent à la gouvernance de cette paroisse. Vous avez aussi toutes les autres dates dans le feuillet du culte. Je vous signale l'entrée dans la semaine sainte, l'entrée par le culte des rameaux qui sera célébré par ma collègue Sandrine Landau avec les jeunes du catécycle, c'est-à-dire les 12-15 ans, dimanche prochain, ici à 10h, à la cathédrale Saint-Pierre. Voici le moment de notre offrande pour rendre ce que Dieu nous donne. Alors, offrons dans la joie à notre communauté. Et pendant l'offrande, nous nous lèverons pour chanter « Je louerai l'Éternel », cantique qui est sur vos feuillets, « Je louerai l'Éternel ».
Nous allons entrer dans la prière d'intercession. La prière d'intercession sera suivie du Notre Père. Je signale simplement, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec cette prière, que vous l'avez en intégralité sur le feuillet. Donc si vous voulez la dire avec nous, elle est imprimée sur votre feuillet. Prions ensemble. Dieu de Déborah, Dieu de Rahab, Dieu de Marthe, Dieu de Marie, notre Dieu, Dieu de l'histoire et du cœur des humains, tu appelles ton peuple à prendre une route dont nous ne pouvons voir la fin, sur des sentiers jamais encore parcourus et face à d'imprévisibles dangers, à des surprises qui surgissent. Nous te louons, ô Dieu, toi le guide de chaque pèlerin. Nous te louons pour la confiance que tu nous accordes, nous, dont la foi est souvent chancelante. Nous te remercions pour Jésus, ton enfant bien-aimé, notre Sauveur, pionnier et toujours devant nous sur nos chemins de foi. Il est devant, il est derrière, il est envers nous comme un berger, à la fois tout en force et tout en délicatesse. Seulement Christ en nous peut nous affranchir de nos peurs. Alors, ô Dieu, fais de nous un peuple à ton service, vigilant, joyeux et capable de nous engager au nom de Jésus, libre de s'engager, libre de servir, libre d'écouter. Fortifie notre foi lorsque nous sommes envahis par le doute. Accorde-nous d'avancer avec confiance et courage, soutenu par ton amour, dirigé par ta main bienveillante, avec une humble sollicitude pour les uns, les unes et les autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de retourner sur nos chemins, confions par le chant notre route à Dieu. C'est le cantique 391, « Confie à Dieu ta route », cantique numéro 391.
y a mille et une façons de quitter ce culte. Peut-être allons-nous courir pour nous mettre au fourneau et préparer un casse-croûte, un plat de pâtes ou un majestueux festin. Peut-être allons-nous prendre le temps de rester encore des Maries à l'adoration de Jésus. Et il n'y a pas finalement de rôle prédéfini, nous pouvons être à la fois Marthe et Marie, mais allons retrouver le cours de nos vies dans cette joie ineffable, inébranlable d'être au service de Jésus qui déjà, lui, nous attend dehors. La joie, l'amour de notre Seigneur sont sur nous. Amen.